Chaque pas que tu prends avec le Seigneur, c'est un pas vers l'avant. Moi, c'est Rebecca, j'ai 19 ans, je viens de Gatineau. C'est ma 5e année staff, officiellement. Je pense que j'ai juste le désir de constamment servir dans n'importe quel environnement que je suis. Alors, venir au camp, c'est une belle opportunité que je peux avoir pour non seulement servir le Seigneur dans un contexte qui sert des gens qui veulent en apprendre plus sur lui. Avec les années qui passent, je développe un leadership qui peut aider avec les plus jeunes qui viennent. Je peux prendre ce don-là que Dieu m'a donné pour être là pour eux, prier pour eux et juste, en général, être une personne de ressource pour eux. Je suis impliquée à l'église Le Sentier à Gatineau. Je suis leader jeunesse. Puis c'est différent dans le sens que, justement, les jeunes, ils viennent juste le vendredi soir. Puis tu restes en contact avec eux pendant la semaine, mais c'est pas quelque chose qui est constamment 24 heures sur 24, qui est presque ce qu'on vit au camp. Malgré les nuits, on passe vraiment tout notre temps ensemble, que ce soit nos pauses, manger ensemble, travailler ensemble, jouer de la musique ensemble. Peu importe qu'est-ce qu'on fait, on est presque tout le temps ensemble. Alors, on apprend à créer des liens, voir qu'est-ce qui clique avec notre personnalité, les défis qui peuvent sortir de ça aussi. Mais en général, c'est quelque chose qui peut nous aider à en apprendre plus sur nous-mêmes puis sur les autres personnes que Dieu peut mettre dans notre vie. Là. C'est sûr que d'année en année, il y a tout le temps des différents défis qui peuvent venir à la surface. Que ce soit la fatigue, les différentes tâches que ça nous tente un peu moins de faire. On trouve le plaisir de faire des petites choses pour Dieu, que ce soit nettoyer des toilettes, faire la vaisselle, faire de la bouffe, en peu importe quel contexte qu'on est placé, on peut toujours trouver un moyen de travailler plus sur nous-mêmes, de pourquoi qu'on est ici, puis pourquoi qu'on sert le Seigneur. Des fois, ça nous laisse nous remettre en question de dans quel domaine qu'on sert, pourquoi qu'on veut servir le Seigneur. Que si on vient ici, est-ce que c'est vraiment pour le servir ou est-ce que c'est pour être avec nos amis? Est-ce que c'est pour d'autres raisons spécifiques? Je pense que le travail qu'on fait ici, puis avec les méditations qu'on a avec nos leaders qui sont assignés pour faire nos temps de partage, on peut en apprendre plus sur les autres qui sont alentour de nous autres, mais ça nous donne aussi une opportunité d'en apprendre plus sur nous autres aussi. J'ai appris sur moi-même qu'on a tous nos talents, on a tous nos défauts, puis avec les différents jobs, on peut apprendre à s'adapter. De tout faire avec une bonne attitude, de tout faire avec un grand cœur, parce que la raison principale pourquoi qu'on est ici, c'est pour servir le Seigneur. Moi, à mon avis, c'est une très bonne chose dans n'importe quel domaine, que ce soit au camp des boulots, à un autre camp ou à l'église, qu'un jeune ait l'opportunité de justement sortir de sa zone de confort puis de pouvoir servir le Seigneur. Je pense que c'est tout le temps une bénédiction. C'est sûr qu'il y a des défis qui viennent avec ça, peu importe où ce qu'on sert. Mais que quand ça vient au camp des boulots, tu peux en apprendre sur Dieu, tu peux en apprendre sur toi-même. Puis c'est tout le temps une bonne formation, peu importe dans quel département que tu es. Comme pour la vie en général, quand tu viens staff au camp, tu ressors avec des aptitudes que tu peux mettre dans ta vie en général, que ce soit quand tu cherches pour une job ou que si tu veux t'impliquer à ton église aussi, c'est toutes des choses qui peuvent t'aider à justement développer dans la vie en général. Je pense à chaque année que je viens, à toutes les fois que je pars avec un plus grand désir d'en apprendre plus sur Dieu, mais aussi on part avec plein de différentes amitiés. D'année en année, je peux sortir du camp puis d'avoir encore plus d'amis que j'en avais l'année d'avant. On crée tellement des liens forts ici que peu importe où ce qu'on est, que ce soit au Québec ou alentour du monde, peu importe qui vient staff, tu peux faire des liens quand même assez rapidement. Puis avec ça, tu crées des amis un peu partout dans le monde qui peuvent partager le même amour pour Dieu que tu as. Moi, c'est Rebecca, puis j'aime extrêmement ça travailler ici. J'aime ça, que ce soit comme campeuse ou comme travailleuse, j'aime énormément passer mes étés ici au camp des boulots.